Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, David Abassi avec vous, voilà, nous sommes le samedi, et j'espère que vous allez bien, c'est la fin du mois de février bien sûr, le mois de mars qui va commencer, le printemps. Restons avec nous, j'aurai le plaisir ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le général Henri Paris, comme invité au départ de notre émission, restez avec nous. Voilà, les élections en France et tous ces bruits-là que vous êtes en train d'entendre, à droite et à gauche, sur tous les candidats, mais pas sur tous les candidats, seulement les scandales. Il y a sur certains candidats, sur certains il y avait, c'était abandonné, oublié, mais sur certains d'autres il reste. Après, de l'autre côté, vous avez les enfants internationaux, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, mes chers amis, il ne faut pas oublier, question de la Russie dans le monde, et également... Moussel, aéroport de Moussel, il vient d'être libéré. Alors, si c'est fan de Daesh ou non, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le général Henri Paris qui est avec nous et poser quelques questions juste au départ de notre émission. Mes chers amis, restez avec nous. Général Henri Paris, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien et vous-même? Merci, nous sommes tellement ravis de vous entendre, mon général, sur notre antenne. Comme d'habitude, on va profiter de votre connaissance sur plusieurs sujets. Et voilà, on va apprendre des choses ce soir encore avec vous. Oh, vous êtes gentil de dire de tels mots.
c'est tout à fait normal. Depuis des années, vraiment, vos analyses, vos écrits, on n'a jamais oublié, surtout c'est ce que vous voyez sur le plan international, national, on a pu constater que votre vision est une vision réelle et de temps en temps, on dit, oh, peut-être vous avez des contacts avec... mon général, oui. Les élections en France... Et actuellement, il ne reste que 5 candidats seulement, voilà, on peut dire. Il y en a peut-être une trentaine de personnes qui sont candidats. Mais en tête, il ne reste que 5 candidats. Mais certains scandales qu'on vient d'entendre, vous, quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous en pensez concernant cette élection 2017, mon général Henri Paris? C'est le désordre le plus absolu. Mais enfin, il est encore trop tôt, beaucoup trop tôt, pour énoncer des pronostics sérieux sur qui sera le candidat aux élections, le candidat véritable, véridique. Alors, moi, je pense que la question va être tranchée d'ici un mois, à peu près. Bon, ont beaucoup de chance de l'emporter, Fillon, Mélenchon, et voilà. Maintenant, il est très difficile d'être plus prophète en son royaume que ne l'est le véritable prophète. Hein. Je sors cela de l'Évangile. Voilà, oui, voilà ce que je pense. Hein. Alors, vous venez de citer le nom de... Oui. Nous voyons bien qui sera l'un des présidents. Macron, Fillon, Mélenchon, et puis c'est tout. C'est parmi eux que se déroulera la bataille finale. Alors, Benoît Hamon et Marine Le Pen, vous ne pensez pas qu'ils vont arriver au deuxième tour, mon général? Comment? Et Marine Le Pen et Benoît Hamon. Non, ces deux personnes-là, vous ne croyez pas qu'ils vont arriver au deuxième tour? Non, je ne crois pas en Marine Le Pen. Non, je ne crois pas. Mais pourtant, le Front National, actuellement, il fait moins de 30%. Et on dit que c'est le premier parti en France, mon général. C'est entendu, mais l'extrême droite en France ne l'emporte qu'avec l'appui de l'étranger. Or, Marine Le Pen n'a aucun appui du côté de l'étranger. Il n'y a pas de force d'invasion qui la soutienne. Alors, pour les autres, il y a une force étrangère qui soutient chaque candidat, alors? Ils n'en ont pas plus. Ils n'en ont pas plus. Mais ce n'est pas une force étrangère qui... délimite ou qui organise la frontière entre tel ou tel candidat. Je dis simplement que l'extrême droite en France ne peut parvenir au pouvoir qu'avec l'appui d'une force étrangère. C'est tout. Or, comme Marine Le Pen ne dispose pas d'une force étrangère, elle n'a aucune chance. Elle est beaucoup trop compromise
avec son père, avec ce que fut le Front National, qui a évolué, c'est d'accord, mais qui est quand même un parti d'extrême droite et marqué par le fascisme. Oui, mon général. Alors, cette force étrangère, mon général, force internationale, force étrangère, est-ce que ça peut être financière aussi ou non? Je vous ai pas mal entendu, là. Voilà, je dis, est-ce que cette force étrangère que vous dites, ça peut aider, par exemple, soi-disant Front National pour prendre le pouvoir, cette force étrangère, c'est vrai que vous, quand vous dites force étrangère, c'est militaire. Est-ce que ça peut être financièrement général, c'est-à-dire, est-ce que le finance étrangère, ça peut jouer? Non, il faut une force militaire, les deux. Militaire et financière. Alors, Marine Le Pen a besoin de cela. Or, elle ne l'a pas. Elle n'a pas ce soutien. Donc, elle a aucune... À mon sens, elle est perdante. Alors, les scandales financiers qu'on vient d'ouvrir sur François Fillon, surtout mon général, quelqu'un qui était ministre, député depuis 1980, et il était premier ministre pendant des années, jamais on n'a pas sorti ce dossier-là. Alors, tout d'un coup, au moment des élections, ce n'est pas pour écarter Fillon de ce combat électoral, mon général? Non. Est un bon candidat. Il a d'énormes qualités. Bon, maintenant, son programme est un programme d'extrême droite qui est invivable en France. Oui. Mon général, François Fillon lui-même, même aujourd'hui même, tout à l'heure, il a prononcé justice médiatique, c'est-à-dire, comme Donald Trump, il a critiqué la justice et le média, c'est-à-dire, et les complots, lui-même, il en a parlé. Ça, qu'est-ce que vous en pensez concernant le propos de Fillon? C'est Daesh. Alors là, on n'a pas fini en France d'en découdre avec Daesh. Ça, c'est évident. Alors, comment ça se terminera? À la longue, par la défaite de Daesh. Mais enfin, il n'en demande pas moins que nous sommes lancés dans une lourde guerre contre Daesh. Alors, c'est pour ça peut-être que Lionel Lucas, vous avez entendu le parlementaire, et il vient d'attaquer Macron en disant ses propos sur la colonisation et crimes contre l'humanité. C'était le jeu de djihadistes, c'est-à-dire là aussi, alors, Daesh, ça joue dans la politique des candidats. Pas me répéter, la guerre contre Daesh, c'est une véritable guerre. Cette guerre contre Daesh sera longue. Maintenant, Daesh mène une guerre qui est littéralement une guérilla. Ce sont des attaques partielles, parcellaires, sans arrêt. Regardez l'influence de Daesh. L'influence de Daesh, elle est dictée par le plan Vigipirate. Il faut des soldats
à tous les coins de rue dans Paris pour rassurer la population. Oui, bien sûr. Alors, c'est-à-dire, vous pensez, mon général, mes chers amis, nous sommes avec le général Henri Paris, et vous écoutez Radio ici maintenant, David Abassi est avec vous. Je suis avec vous tous les lundis, dès 23h et dernier samedi de chaque mois. J'ai le plaisir de recevoir notre ami général Henri Paris. Mon général, alors, à votre avis, si on finit de Daesh en Syrie, en Irak, alors, notre guerre va commencer, c'est en Europe, en Occident avec Daesh, alors. Comment Si on finit de Daesh dans les pays musulmans, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, et tout ça, et cette terroriste qui est devenue internationale va jouer dans les autres pays européens, c'est ça? Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. La lutte contre Daesh ne se calmera pas et ne se réduira pas à quelques actes de terrorisme en Europe occidentale. Cela va s'étendre. Bon, quant à aux opérations au Moyen-Orient, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Elles vont continuer. Daesh continuera à se battre au Moyen-Orient. Et je ne crois pas que Bachar el-Assad arrive à l'emporter face à Daesh sans une alliance avec les Kurdes, par exemple. Il a cette alliance actuellement avec les Kurdes, presque, pas 100%, mais on peut dire qu'il y a une petite alliance, il y a avec les Kurdes, mon général, par l'intermédiaire des pays européens, occidentaux, américains. Existe cette alliance, bien sûr. Bon, maintenant les Américains n'ont aucune chance de l'emporter. Enfin, aucune chance. Je veux dire par là qu'ils mènent une guerre absurde, une guerre de perdants. Et chaque fois qu'ils mènent une opération ou que ce soit, ça se termine par une défaite. Les Américains sont les perdants de la guerre au Moyen et au Proche-Orient. Comme vous avez déjà écrit, USA échec et mat. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la réédition. Bon, or, les Américains n'y arriveront pas à l'emporter. Alors, c'est qui était gagnant jusqu'à maintenant, mon général, concernant Daesh? C'est qui était gagnant concernant Daesh? Surtout, s'ils perdent les champs de pétrole, puisque vous-même, sur notre antenne, vous avez dit plusieurs fois que si on coupe la source financière de Daesh, c'est-à-dire le pétrole, il va mourir. Mais actuellement, ils ne sont pas tellement forts pour contrôler le pétrole de la Syrie ou d'Irak. Et jour après jour, ils sont en train de perdre de terrain. Alors, demain, qu'ils n'auront pas les champs de pétrole de la Syrie, et comment ils vont financer leur combat et comment ils peuvent continuer à exister? Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est ce que vous illustrez, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une guerre sans fin. Sans fin. Les Américains n'arriveront pas à réduire à néant
Daesh, eux-mêmes n'obtiendront pas la victoire. Ils se sont lancés dans une aventure au Proche et au Moyen-Orient il y a déjà une dizaine d'années, et c'est une aventure perdue. Nous sommes avec le général Henri Paris et vous écoutez Radio Ici Maintenant, mes chers amis, sur 95.2 FM. Bien sûr, vous pouvez nous écouter et nous regarder dans le monde entier en tapant ici-et-maintenant.com sur l'internet, bien sûr, et canal numérique canal 9A, c'est ça? Voilà. Alors, mon général, concernant la Russie et le rôle qu'il a actuellement dans le monde, surtout après l'arrivée de Trump, que Trump, il dit, il ne va pas sortir de frontières américaines, surtout d'abord l'Amérique. Est-ce que vous pensez, avec la présence de la Russie en Syrie, en Iran, et dans certaines élections dans le monde, est-ce que la Russie est en train de prendre une place assez importante dans le monde? Est-ce que la Russie va faire? Et il va prendre une place assez importante par rapport au passé dans le monde. Il faut bien comprendre que la Russie a dépassé le stade des désastres originels de l'époque Eltsine. Et encore plus de Gorbatchev. Hein. Nous sommes en 2017 et les désastres russes datent maintenant d'une vingtaine de siècles. Hein. Alors les choses ont changé. Les Russes ne peuvent pas admettre leur défaite. Les Russes l'emportent à l'heure actuelle en Syrie. Ils l'emportent exactement tout autant en Mésopotamie. Dans la région de l'Euphrate et du Tigre. Alors, les Russes ne sont pas prêts de rendre les armes. Et ils vont mener la bataille contre Daesh, parce qu'ils sont incapables d'accepter la prédominance de Daesh d'un califat arabe. Ça, pour eux, c'est impossible. Deuxièmement, ils sont aussi incapables d'accepter une prédominance américaine sur le Proche et le Moyen-Orient. Et les Américains, ne se lanceront pas là-dedans parce que ils ont subi assez de défaites dans la région pour ne pas recommencer. Voilà. Oui, mon général. Alors, nous sommes avec le général Henri Paris et vous écoutez ici et maintenant sur 95 FM, mes chers amis. Et bien sûr, dans le monde entier, vous pouvez nous écouter en tapant ici-et-maintenant.com. Mon général, alors, les Américains, vous pensez, ils vont supporter M. Donald Trump pendant 4 ans? Est-ce qu'il va rester pendant 4 ans au pouvoir ou non? Surtout qu'il a des problèmes d'abord avec les médias, en même temps avec les services de renseignement américains, qui n'est pas satisfait, qui critique toujours ces deux instances américaines. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Maintenant, oui, ça peut continuer. Ça peut continuer le temps que durera Trump au pouvoir.
paraît être une espèce de momie issue de l'Antiquité et parachutée dans les temps modernes. Toute la politique qu'il mène est complètement absurde, tout du moins en parole, hein, parce que jusqu'à présent, il n'a pas dépassé le stade du discours. Voilà. Voilà ma position vis-à-vis des Américains. Si vous voulez, on va arrêter aussi cet entretien. Parce qu'on va se répéter. Bien sûr, mon général. Mon général, avant de vous quitter, dernièrement sur le propos, puisque vous êtes un militaire, en même temps que vous êtes écrivain, en même temps que vous êtes un, on peut dire, politicien, un historien. Alors, est-ce que vous pensez les derniers propos de Macron sur colonisation, les considérer, c'est un crime contre humanitaire, et ça fait chuter beaucoup parmi les électeurs français? Est-ce que je considère que Macron est quoi? Suite à ses propos concernant la colonisation, et comme quoi il a considéré que c'était crime contre l'humanité, est-ce que ça changeait l'avis des Français sur lui, et est-ce qu'il a perdu des points? Non, je ne peux pas être d'accord avec Macron, absolument pas. La colonisation française a eu des hauts et des bas. On ne peut pas la juger de la manière dont la juge Macron. Macron joue là à polichinelle, hein. Il se trompe de siècle aussi. Nous sommes au 21e siècle et la colonisation française date du 19e. Alors, il y a une différence notable entre les époques et Macron ne prend pas ça en compte, hein. Je répète, il joue à polichinelle. Comment peut-il prononcer des jugements aussi abrupts sur une époque et sur des colonisateurs qui ont amené du mal, ça c'est certain, mais aussi du bien? La colonisation française est à prendre sous deux angles. Il faut rechercher ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Et Macron ne voit pas cela. Macron, je me répète encore une fois, est un polichinelle. C'est un gamin de ce côté. Voilà. Mon général, je vous remercie beaucoup et merci de nous consacrer 30 minutes. Et on ne va pas vous déranger trop, je vous embrasse très très fort. Mes salutations pour la famille, surtout pour votre femme Ariane, et j'espère que la prochaine fois, on vous aura dans notre studio, mon général. Moi aussi, merci, je vous embrasse très fort. Merci, mon général. Merci de m'avoir invité. On était ravis, comme d'habitude, mon général. Bonsoir. Merci, mon général. Bonsoir, au revoir. Voilà, c'était le général Henri Paris sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, mes chers amis. Et à partir de maintenant, c'est vous que vous avez la parole. Vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20 pour nous dire que pensez-vous à tous ces sujets-là qu'on vient de bavarder avec notre ami et notre invité, le général Henri Paris. Et bien sûr, c'est vrai, cette histoire de Macron, ça touchait beaucoup de gens, surtout comme j'ai dit tout à l'heure, Lionel Lucas, comme vous savez, il est le député maire républicain de Villeneuve-Loubet. Alors, lui, il a accusé samedi, c'est-à-dire c'est aujourd'hui même, le candidat présidentiel Emmanuel Macron de faire le jeu de djihadisme.
en critiquant la colonisation lors d'un rassemblement qu'il avait récemment. Et en même temps, beaucoup d'autres parmi vous, vous n'avez pas aimé ça, surtout cette propos qu'il a eu. Mais c'est vrai, il y a, on peut dire, une guerre médiatique sur et contre certains candidats, comme le général Paris aussi l'a dit. Après, de l'autre côté, certaines choses, on l'oublie, mais tout ça, ça dépendrait après à la peuple français, qu'ils vont s'exprimer, qu'ils vont se prononcer, voilà, pour dire au moment qu'ils vont aller voter. Vous savez, jusque maintenant, vous étiez très courageux, c'est-à-dire le peuple français, quand vous avez écarté de champ de combat électoral le plus grande personnalité que tout le monde pensait qu'ils vont devenir candidat au moins, vous avez changé le plan de certains partis politiques, de certains pouvoirs économiques politique dans notre pays. Et là aussi, les cinq grands candidats qui restent, ça sera à vous de choisir. On va voir quelle sera la surprise, n'est-ce pas? Surtout, comme vous savez, l'histoire de Fillon, il vient de prendre une nouvelle face. C'est depuis tout à l'heure. Hier, déjà nous le savons, comme quoi l'affaire devrait aller devant la justice, c'est-à-dire une information judiciaire a été ouverte contre famille Fillon. Et ça, ça prendra du temps, bien sûr, mais si il est convoqué avant les élections présidentielles, c'est grave, mais quand même, il peut continuer d'être candidat, même devenir président de la République, puisqu'il est présumé innocent, c'est-à-dire même s'il est convoqué, même si ça y est, l'information judiciaire s'était ouverte, mais le jugement, ça prendrait du temps, un an, deux ans, et il peut devenir candidat, il peut devenir même président, puisque présumé innocent. Mais de l'autre côté, une chose qui est très intéressante, je vais voir qu'est-ce que vous en pensez. Fillon, il a répondu aux convocations des juges et des policiers. Il est allé donner ses explications. Et, nous nous rappelons très bien que quand il est allé voir la justice, soi-disant, les policiers, il a été shooté de quelques points après cet scandale. Mais le même scandale, peut-être ce n'est pas le même, mais enfin, un scandale financier que Mme Le Pen est là-haut, et comme vous savez, son assistant est mis en examen. Mais elle, Mme Le Pen, elle a refusé d'aller devant la justice, et même il a dit jusqu'au mois de juin il ne va pas y aller. Alors, Mme Le Pen, par contre, il a augmenté de quelques points. C'est-à-dire, quand elle refuse d'y aller, elle monte dans le sondage, il gagne 2 points, mais Fillon, il perd 2 points. C'est une question qui, pour moi-même, David Abbassi, est assez importante. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que si vous savez pourquoi, vous pouvez nous appeler pour nous informer, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.